Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine. Alors pour cette nouvelle revue Retour vers le passé, nous allons cette fois-ci partir fin des années 80 et plus précisément en 88-89, puisqu'à cette époque a été introduit sur le marché américain donc la gamme dite Pretenders, voilà, donc une sous-catégorie de gamme Transformers assez atypique. Donc, qui représente une catégorie spécifique qui se démarque d'un traditionnel Transformers dans le sens où, en fait, ce dernier intègre un concept de coque creuse, donc qui lui sert de carapace synthétique et organique, et dans lequel, donc, l'ETF peut se dissimuler. Voilà. Donc, en fait, au premier abord, quand on regarde, donc, la coque, le personnage en lui-même, on ne voit pas du tout, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il peut s'agir d'un Transformers. Voilà. Le Transformers étant dissimulé à l'intérieur. Donc c'est sur cette gamme que nous allons nous attarder aujourd'hui, donc et plus particulièrement sur le petit classics jazz, voilà, le Génération Jazz. Donc tout de suite, sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici sans plus tarder la figurine en question, donc voilà, hein, pour les plus jeunes et celles et ceux qui ne connaissent pas donc cette fameuse gamme Pretenders, voici justement donc à quoi ressemble le Transformers sous son premier aspect. Donc on a affaire ici à une coque, comme je vous disais, qui est creuse, voilà, donc coque creuse et rigide, donc dans lequel se trouve bien entendu caché donc le Transformer. Voilà un petit peu, donc malheureusement bon, il manque juste ces deux guns, hein. Sinon il est, on va dire, à part ces deux guns, il est complet. Donc à savoir donc que cette gamme aussi, Pretenders, donc, comporte également plusieurs sous-gammes. On a une gamme Pretenders humanoïde, on a une gamme Pretenders dite Beast, on a la gamme Monsters, on a la gamme Small, on a la gamme Classics, dont celui-ci fait partie, donc qui regroupe Bumblebee, Grimlock, Jazz et Starscream. On a ensuite la gamme Mega et la gamme Ultra. Voilà un petit peu, donc alors les Mega et les Ultra ne sont pas fréquents. Enfin moi personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir de près, hormis sur des vidéos, des revues ou des photos. Mais voilà, j'en ai personnellement jamais vu de près. Donc là, on va s'attarder donc sur ce petit classique jazz. Alors, petite chose concernant les articulations, vous allez voir, hein, c'est vraiment très succinct. On a uniquement donc les bras qui sont articulés. Et puis donc, il est possible d'ôter son casque. Voilà. Et on a donc le visage, alors je vais essayer de faire une petite mise au point dessus. Donc voilà, le visage de Jazz sous sa forme humanoïde. Voilà. Donc qui lui permet de garder une discrétion voilà, d'un nouveau type. Donc voilà un petit peu hein, de ce qu'on peut dire sur cette figurine. Pas grand chose d'autre à noter. Hein, voilà, ça fait un petit peu cheap aujourd'hui par rapport à même des géants qui sont plus anciens. Mais voilà, je sais qu'il y a quand même quelques aficionados de cette série. Mon chat en fait partie. C'est une grande fan des Pretenders. Donc voilà, un petit clin d'œil en même temps à mon chat, puisque voilà, ce Transformers m'a été gracieusement prêté par mon chat pour cette revue. Voilà, donc je te remercie. Bisous. Voilà, donc en ce qui concerne le petit père Jazz, donc on peut faire un comparatif rapide avec un autre Pretender d'une autre gamme. Hop. Voilà, donc dans la gamme de la gamme Mega, donc à savoir Crossblade. Voilà.
Donc, qui lui, par contre, a la possibilité d'emblée de pouvoir, là, il manque tous les accessoires, mais de pouvoir se transformer directement en véhicule et recevoir donc son personnage réel, donc en mode robot à l'intérieur. Donc voilà, le robot peut piloter son propre corps. Voilà ce qui faisait aussi la petite particularité. Donc voilà, petit comparatif entre ces deux petits pépères que j'ai sous la main. Donc nous allons pouvoir à présent nous attarder sur la transformation donc de ce dernier. Alors il vous suffit tout simplement de retirer le casque, de séparer la coque en deux, et vous avez donc, voilà, juste ici, le véhicule, donc qui vient, le véhicule Jazz en fait, voilà, le véritable personnage Jazz qui se cache donc à l'intérieur de cette coque. Alors, et voilà, donc après une petite mise au point, donc notre petit poteau Jazz dans son mode alternatif. Et donc, je vous montre vite fait hein, la coque à l'intérieur, donc qui est entièrement creuse, de façon à pouvoir recevoir donc, le personnage. Donc voilà notre petit père Jazz, donc beaucoup plus simplifié que la version J1 qui était sortie en 85, bien entendu, puisque celui-ci est d'une part beaucoup plus petit. On est plus petit qu'un Deluxe et un petit peu plus grand qu'un Legends. Et d'autre part, parce qu'il ne comporte pas du tout, contrairement à son aîné, de partie en die-cast. Hein, celui-ci est entièrement plastique. On note également que les vitres ne sont pas de vraies vitres, hein, ce sont simplement des stickers donc qui font office de pare-brise. Voilà. Alors, petite mise au point à nouveau. On voit également donc les stickers qui forment les flancs des côtés et qui habillent presque entièrement, enfin entièrement même le véhicule, puisque sans autocollant, le véhicule serait entièrement blanc. Voilà. Donc le petit poteau de Jazz, tout simplifié. Au niveau de l'undercarriage, voilà ce que ça donne. Donc avec le syndrome de la tête visible. Voilà, et les roues, bien entendu, tournent. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors, petit comparatif justement avec son aîné Jazz, donc de 85. Voilà, pour vous donner une idée donc de la différence d'échelle entre les deux véhicules. Voilà, donc cette gamme Pretenders était quand même, il faut se l'avouer, assez atypique. Je sais que les personnes qui ne sont pas fans de cette gamme sont quand même assez fréquents. La gamme étant quand même relativement simplifiée. Et puis bon, c'est vrai qu'elle est constituée de plusieurs petits accessoires pour certains. Donc sans ces accessoires-là, vous ne pouvez pas complètement former le véhicule. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu rébarbatif de les avoir complets. Mais voilà un petit peu donc pour le comparatif de nos deux Jazz G1 finalement. Donc passons à présent à l'étape transformation qui vous allez voir est extrêmement simplifiée. Donc pour commencer, vous, alors, Monsieur Focus, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, merci. Voilà, donc vous commencez par étirer ce qui vient former les jambes du robot. Ensuite, vous détachez, déloquez et sortez les bras, comme ceci. Et dernière étape, vous rabaissez l'avant du capot. Et voilà, notre ami Jazz Pretender transformé. Voilà, donc le mode robot, bah malheureusement, pâtit un petit peu plus que le mode véhicule, puisque celui-ci est vraiment quand même assez sommaire. Mais voilà, je trouve qu'il manque pas de charme finalement.
Et on reconnaît aussi quand même, il faut l'avouer, on reconnaît bien notre pote au jazz. Il lui manque juste ses petites ailes derrière. Mais là, les ailes sont au niveau des portes du coup. Voilà donc en ce qui concerne la figurine. Alors en termes d'articulation, vous allez voir là encore, là c'est ça va aller très vite. Excusez-moi. Donc la tête est fixe. Vous avez la possibilité, voilà, de bouger d'avant en arrière les bras. Et puis c'est tout. Pas de rotation de bassin, pas de jambes articulées, pas de pieds articulés non plus. Donc voilà, vous avez simplement, comme pour quasiment la coque en fait, uniquement les bras d'articulés. Et voilà donc ce que donne le petit pot au jazz sous toutes ses coutures. Voilà, il lui manque aussi donc les deux guns, hein, forcément, puisque je ne les ai pas pour le mode Pretender, je ne les ai pas non plus donc pour le mode bot. Voilà un petit peu pour notre poteau jazz. Petite photo de famille cette fois-ci de nos deux jazz en mode bot. Et il n'y a pas hein, le Génération 1. Et toujours, enfin, la première version est toujours aussi formidable. J'en suis toujours autant fan. Voilà, absolument, une figurine absolument réussie en tout point. Donc, je vous en ferai peut-être la revue, un de ces quatre. D'ailleurs, à ce sujet, hein, si vous souhaitez de votre côté voir des revues de certains Transformers, n'hésitez pas à me le signaler dans vos commentaires, hein, si j'ai ça sous le coude. Je peux toujours faire des revues spéciales et puis vous présenter donc des Transformers qui vous plairaient de voir de plus près. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires hein, si ça vous intéresse. Je suis tout ouïe. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers Retour vers le passé du jour consacrée à notre Pretender Classics Jazz. Voilà, j'espère que cette revue vous aura permis en tout cas de découvrir une figurine assez peu connu chez nous. Voilà, et puis que vous aurez pris également du plaisir à voir cette revue. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers et un petit loulou assez sympathique, je dois vous l'avouer, même si voilà, vous en saurez plus de toute façon à ce moment-là. D'ici là, portez-vous bien, bonne fin de semaine, bon courage à vous, plein de bonnes choses pour tenir, et puis voilà, n'oubliez pas de vous faire plein de bisous, plein de câlins, et tout ce qu'il faut pour rester en forme et de bonne humeur, autant que possible, voilà. Allez, à ciao les amis, à la prochaine, bye bye, tchuss! Ouais, moi aussi j'ai mon armure Pretender! Je vais pouvoir être plus fort! Mouah! Allez, c'est parti! Oh, merde! Ah, ça bloque un peu! Je suis un peu à l'étroit dans votre truc! Alors, on aurait pris du bidou, papy TF? Vos remarques ne m'atteignent même pas!